Les amis, bonsoir. On a la chance d'être avec Greg Toxic, DJ Toxic, qui vient d'ouvrir ce soir au Lennox. Comment ça s'est passé? Bah mortel, hein. Au début un peu Il me semble, calme, hein. ouais, voilà, mais le principe du warm-up, début un peu calme et tout, les gens arrivent, et puis bah ça devient vite le feu, hein, Lennox. Et puis on termine sur un remix du Get On Up de DJ Rush, ouais, je sais pas Rush, qui a fait ça, ouais. Mais c'était une tuerie. C'était Thomas P. Ekman. Ekman, oui, ouais, d'accord, ok, ouais. Un vieux de la vieille aussi, ouais, oui, c'est vrai. Un vieux qui remix en vieux. Oui, non, mais c'était très agréable, franchement, c'était top. On parlait en off, là, il y a quelques minutes, d'une grosse soirée qui arrive au mois d'avril, ouais. Au niveau de Nancy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bah on fait la grande fête, là, avec deux collectifs en coprod, où on va faire 3 jours de grande fête, avec de la scéno, avec des bonnes choses à boire, à manger, avec de la tête d'affiche, Camion Bazar, UR Trax, Esteban Desigual. Du lourd, oui. La Mamise, voilà. Donc pendant 3 soirs, on ouvre 2 halles. En plus, c'est un lieu qui n'est pas beaucoup exploité. C'est des anciennes halles, voilà. Au niveau patrimoine, ça vaut le coup. Et du coup, je peux pas tout dévoiler, mais bien ça sûr, va oui. être au-delà de la musique, ça va être au-delà de tout ça, et une vraie ambiance. Comme on en rencontre peu tout au long de l'année. Bon, on va suivre tout ça en tout cas sur Festivals Guide. On va essayer de mettre des infos dès qu'on a ouais, un petit ouais. quelque chose à se mettre sous la dent. On fera ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces quelques minutes et puis avec pour plaisir. Le son tout à l'heure. Ouais. Et puis bah, j'espère qu'on bah, se revoit très très bientôt. Vite, hein. Merci. Ça marche.